On commence dans 3, 2, 1, charge! L'assaut est lancé et déjà dans la période téléguidée, 2-3 robots ont traversé la ligne de défense. Et même en période autonome, le 59-10 réussit à traverser le cheval de frise. Les trois robots de l'Alliance Rouge ont traversé la ligne de défense en période autonome. Et maintenant, ils prennent le donjon bleu d'assaut. Du côté de la cour des Rouges, on voit que les robots tentent de traverser. Et le pointage est déjà de 39 à 15 pour les Rouges. Et Mechani Wolf nous fait une petite danse dans la zone neutre. Il essaie de retraverser par le passage secret. Est-ce que c'est permis? Les arbitres vont peut-être accorder des fautes. Et ça va très bien pendant ce temps dans la cour des Bleus où les Rouges ont réussi à marquer encore des buts. Et attention, le robot de Tech for Kids qui réussit un autre but dans le but supérieur. Le pointage est de 71 à 25 pour l'Alliance Rouge. Oh, les Richmond Knights et le Mechani Wolf qui ont de la difficulté à s'entendre. On revient dans la zone neutre, on essaie d'attraper les boulets. Et les Richmond Knights ont de la difficulté. Oh, et c'est un autre but marqué pour le Tech for Kids qui revient dans la zone neutre. Quelle agilité! Tourne sur lui-même, agrippe un boulet. Et voilà Tech for Kids qui retraverse. Il s'attaque au mur de pierre. Oh, de la difficulté avec le mur de pierre. Tech for Kids réussit. Il s'approche du donjon. Est-ce qu'il va marquer un autre but dans la partie supérieure? Et presque! Il reste 30 secondes. Est-ce que les robots vont tenter de s'approcher des donjons? Et encore un but pour Tech for Kids. Il reste 20 secondes. Et voilà! Les trois robots bleus ont réussi à monter sur le talus de la tour rouge. Et est-ce que ça va réussir? Et malheureusement, seulement deux robots ont réussi à monter sur le talus.